Arnaud, présente-toi pour les jeunes qui ne savent plus qui tu es. Arnaud Demester, bientôt 50 ans, j'ai le record de victoire à l'Enduro Utouquet avec Combien? 7 victoires. 7? Ouais, voilà. Pas mal, belle performance. La Pas trop première à mal. quel âge? 21 ans, je suis encore le plus jeune vainqueur de l'Enduro Utouquet à l'heure actuelle et recordman aussi. Hein. Ok, donc comment t'y arriver là? Ben, en fait, chez moi, l'hiver, en fait, Le Schnorf? le nord, hein, le vrai nord, après chez moi, c'est l'Angleterre. Voilà, on roulait beaucoup l'hiver dans le nord, dans le sable, parce que ben, c'était pas possible de rouler sur la terre. Et en fait, on avait un circuit dans le sable à la Maison du Pendu, à l'époque, ça s'appelait. C'était à côté d'une maison abandonnée, il y avait un circuit de sable, et tous les pilotes, entre guillemets, qui préparaient un peu l'Enduro Utouquet à l'époque. Bah on s'entraînait là et c'était l'époque où il y avait les Potisek, Rudy Potisek, le père de Timothée et de toute la fratrie Potisek. Il y avait beaucoup de pilotes qui roulaient pour l'Enduro Utouquet. Et l'hiver, j'ai commencé là à rouler en 80 cm3 dans le sable et je galérais, mais bon, j'y arrivais. Et en fait, bah, c'est arrivé comme ça. Après, bah, l'été, évidemment, on roulait un peu dans la terre, mais c'était 6 mois, on va dire. Ouais. Bah moi, naturellement, j'ai fait beaucoup de motocross, j'ai fait le cadet, le junior, l'élite, je sais pas du monde et tout, mais le plus naturel pour moi, c'était de rouler dans le sable, en fait. Et c'est pour ça que je me suis, entre guillemets, un peu spécialisé dans les courses de sable. Et mes premières victoires probantes, c'était à Fort-Mahon en 92, à l'âge de 19 ans. J'ai gagné une endurance un peu post-Touquet, on va dire, devant des spécialistes avec une 2,5 face aux 500. Et ce jour-là, en fait, il y avait Jean-Claude Olivier qui roulait. Et il est resté à la remise des prix pour m'en rencontrer, en fait. Il a vu Demester dans le dos et il se demandait si j'étais français, belge ou quoi, ou hollandais, il ne savait pas trop. Et en fait, il m'a abordé à cette remise des prix. Et en fait, il m'a dit, bah, t'es français? Bah, je dis, ouais, je suis d'un carquois, machin et tout. Tu roules où? Bah, à l'autre plage. Ah bon, d'accord. Et en fait, 15 jours après, j'avais une proposition de Yamaha pour intégrer le team officiel pour l'Enduro Utouquet en 93, fin 92, et pour le Touquet 93. Et en fait, j'ai roulé pour la première fois. Bon, j'avais déjà fait le Touquet, hein. J'ai fait mon premier Touquet à 15 ans. Hein. Voilà. Sous le nom de mon père, en fait, j'ai fait premier vétéran en 125 et je fais 227e, tu vois. Vraiment un truc, voilà, mais j'avais déjà fait le Touquet à 15 ans. Et en fait, bon, c'était une petite magouille à l'époque avec le Oui. président de la Ligue, Non, voilà, mais c'est René la Fermont, tradition, c'est voilà, la tradition. c'était comme ça. Et bah, on n'avait pas la chance d'avoir tout ce qu'on a maintenant avec les espoirs, les juniors. Tu vois, tu peux commencer à Carrément. 11 ans les courses de sable. Moi, j'aurais adoré avoir tout ça. Hein, et c'était pas possible. Bon, on s'est débrouillé pour que je roule très tôt. Et je te dis, voilà, ça a commencé à Fort-Mahon en 92. Et après, bah, j'ai commencé ma carrière chez Yamaha. Je me suis, entre guillemets, un peu spécialisé dans les courses de sable, tout en faisant du motocross, en faisant Tu faisais un peu des Grands Prix, je me souviens, voilà, par du ici. junior. J'ai gagné une manche devant Michael à la finale en junior. J'ai fait vice-champion de France nationale 125 l'année d'après. Je suis tout de suite monté en 93 à l'élite en 2,5. Et voilà, je fais des places honorables, hein. Je faisais 5-6, j'ai fait vice-champion en 97. Mais voilà, c'était pas vraiment l'objectif de ma carrière, en fait, entre guillemets. Et à partir de. Bah, j'ai gagné en 95 à l'âge de 21 ans. Et voilà, et après, l'objectif de Yamaha et de moi, c'était de Jean-Claude Olivier, surtout, c'était d'avoir ce record de victoire, de battre Van der Ven. Voilà, avec une Ouais. Yamaha, j'en ai eu 7 et voilà, c'était génial et j'ai eu le soutien total de Jean-Claude Olivier. Hein. Ça a été une grosse chance pour moi, c'est-à-dire que bah, voilà, j'avais qu'à penser, qu'à m'entraîner, à rouler et j'avais entre guillemets budget illimité. Hein. Je Ouais. pouvais rouler tous les jours quasiment et c'est ce que je faisais. Hein. J'en profitais, j'avais une chance énorme et voilà, ça a été ma force entre guillemets, c'est d'avoir le soutien de Jean-Claude Olivier à 200%, on va dire. C'était cool. Ouais. Maintenant, ma première question, quelle est ta définition du talent? La définition du talent, bah, c'est des pilotes comme Jet Lawrence, Jean-Michel Bayle, David Bailey, Johnny O'Mara. Voilà, ça, c'était des pilotes entre guillemets talentueux. Parce que bah, quand tu les vois rouler, c'est magnifique. Hein. Quand tu vois ces pilotes qui forcent pas et qui vont aussi vite, c'est ça le talent.
Mais derrière ça, il n'y a pas que ça aussi. Si tu travailles pas, si tu travailles pas, tu pourras pas y arriver, évidemment. C'est la différence entre un pilote talentueux qui, entre guillemets, travaille pas et un pilote talentueux qui travaille. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça le truc, Donc hein. peut-être qu'au départ, tu n'étais pas autant doué que certains, mais tu es talentueux parce que tu as énormément travaillé. Ah oui, moi, j'étais pas Tu es une talentueux machine de du tout, travail. hein. Après, tu dis Jet Lawrence, je suis dans le sable, tu avais ta technique, mais par contre, tu étais une machine de guerre. Je veux Ah dire, tu étais oui, non capable mais de c'est faire sûr. 3 heures de la même Ah manière. oui. Et alors, moi, j'étais jeune, je me rappelle, je sais pas si tu te souviens, première fois que je suis venu à Lune Plage, c'était avec Machio en 2002, je crois. Lui préparait les Grands Prix, moi je préparais l'Europe. On a passé la semaine à rouler Alun. à Lune sur la piste des 80. Ah. Parce qu'en fait, nous, on ne trouvait pas l'intérêt de faire le grand Oui, circuit. bien Du coup, sûr. on roulait sur la piste des 80. Et en fait, c'est là où moi, je t'ai découvert vraiment. T'sais, je me disais, mais Ouais. qu'est-ce qu'ils branlent avec leur gros réservoir à faire des manches? Oui, non mais c'est sûr. Mais par contre, voilà, tu avais déjà une technique. Je me souviens, en fait, alors c'est sûr, tu étais peut-être un peu moins fluide, mais par contre, ouais, tu y allais Oui, vraiment. bah, j'avais un engagement. Bah, en plus, je roulais avec un 2,5, des 2,5 face aux 500, quoi. J'étais un des pilotes qui roulait en 2,5 à l'époque. Et je me rappelle d'un truc, c'est qu'en 93, je roule au Touquet et je fais 6e. Et Jean-Claude Olivier me dit, pour gagner le Touquet, il faut une 500. Voilà. Il me dit, l'année prochaine, il faut que tu aies une 500. Mais à l'époque, Yamaha, c'était 4,90 AR. C'est pas C'était fameux. pas le top. Face aux 500 Honda, tu vois, liquide et tout. Et en fait, il me fait rouler en 94 avec cette fameuse 500 AR. Je fais 7e. Je suis encore moins bien qu'avec la 2,5. Bon, je serre, machin, tout. Et en fait, à la fin de la course, tellement énervé de faire moins bien. J'ai devant tout le monde pris l'embrayage, j'ai mis la moto à fond, à la serrer, je l'ai jeté par terre et je suis parti. Et en fait, très peu de monde le sait, mais je me suis fait virer de chez Yamaha. Non. Si. Et en fait, même moi, limite, je ne savais pas parce que en fait, tout le monde m'a dit, ouais, de toute façon, il gagnera jamais le Touquet, c'est pas possible, machin et tout. Et en fait, Guy Padefort faisait une concession Yamaha d'une motorsport à Dunkerque avec José Leloir. Et en fait, Yamaha voulait plus vraiment entendre parler de moi. Et j'ai eu la chance d'avoir José Leloir et Guy Padefort qui ont dit, voilà, il y a un Dunkerquois, on ouvre une concession, allez, prêtez-nous deux motos, un petit budget piège, j'avais 1500 euros et deux motos. Et en fait, j'ai gagné le Touquet avec deux motos et un budget pièce de 1500 euros en roulant quasiment tous les jours. C'est-à-dire que toutes les pièces des clients qui étaient encore bonnes, on le remettait sur mes motos. Je roulais avec des épaves, mais je roulais. Et en fait, à partir de là, en 95, José, Guy et tout, j'étais tous les jours à l'entraînement, le soir à la salle de sport, du vélo, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai commencé à m'entraîner comme un dingue, mais vraiment. Et en fait, en 95, j'ai eu un petit peu de chance. C'est que Jérôme Belval tombe Je dans m'en une souviens. demi-heure de la fin, Dans la il ligne tombe droite, sur la ligne non? droite, dans la ligne droite. Mais bon, j'étais encore dans la course, hein, il devait encore faire ravitaillement. Bon, voilà, on était encore en bagarre jusqu'à temps qu'il tombe. Et là, je gagne le Touquet, entre guillemets, à la surprise générale. Et à 21 ans, Et là, t'étais voilà. plus Yamaha, du coup. J'étais Yamaha, mais Mais d'une par le torse. motorsport. Ouais, d'une Voilà. motorsport. Et en fait, l'année d'après, j'étais re-Yamaha. J'étais Yamaha Motor France et toujours avec Dune Motorsport. À partir de 96, j'ai regagné le Touquet en 96 en travaillant encore plus parce que José m'avait dit Guy, voilà, t'as gagné, mais il faut gagner à la régulière, entre guillemets, comme Ouais. Jérôme était tombé. Et l'année d'après, j'ai encore plus travaillé et tous les lundis, je faisais des Touquets. Ça, Non. voilà, des Touquets tous les lundis au Touquet. Voilà, je peux le dire maintenant, mais tous les lundis, on était au Touquet dans les dunes. Le circuit jamais refait, il y avait beaucoup de monde qui roulait. Et tous les lundis, je roulais 3 fois 50 minutes, c'est-à-dire dans les trous. C'est-à-dire que je roulais un Touquet tous les lundis, plus les entraînements de la semaine. Et tout le monde se disait, mais comment il fait et tout. Mais en fait, Le travail. j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et en fait, c'est un rythme après. Hein. Voilà, ah oui, c'est dur, mais j'y arrivais. Et en fait, je faisais des Touquets tous les lundis, 3 fois 50 minutes. On arrivait avec nos bidons dans les dunes, les lunettes prêtes, trois paires de lunettes. Et je faisais 50 minutes, je m'arrêtais.
Bon, je ne mettais pas comme un ravitaillement, mais je faisais 2 minutes de pause, je buvais un coup, je me remettais des lunettes pendant qu'ils remettaient le plein, on regardait un peu la moto et je repartais. Et tous les lundis, c'était comme ça, plus l'eau de plage, plus voilà. Et j'ai regagné en 96. Et là, après Guy, José, ils voulaient aussi que je fasse bien en Grand Prix, ce qui n'était pas possible, quoi. Pendant 6 mois, je m'entraînais tellement qu'à un moment, voilà, après le poussé, Saturé, ouais. je saturais. Ils croyaient que j'allais faire dans les 5 ou 10 en Grand Prix. Et non, j'arrivais à 25 bars, je faisais des bons chronos. Mais en manche, c'était pas le même Rythme. truc. C'était 45 minutes à fond, que moi, c'était 3 heures. C'était différent. Et pendant 30 minutes, je roulais bien. Et les 10 dernières minutes, je m'écroulais. C'était autre chose. Et en fait, bon, on s'est séparés, enfin, en bon terme. Et je suis repassé pilote officiel à partir de 97. Jusque 2009, quoi. Je suis resté chez Yamaha tout le long avec des hauts, des bas, mais toujours Jean-Claude Olivier derrière moi. Et quand j'ai eu des bas, il m'a toujours soutenu. On avait des réunions en Paltouquet, quand je gagnais ou que je perdais, pour me dire voilà, qu'est-ce qu'il te faut pour gagner, qu'est-ce qu'il faut changer. Il marquait tout. Tout était marqué, tout était enregistré dans des cahiers. Et voilà, c'était notre époque. Et voilà, j'en garde des super souvenirs. Hein, et voilà, j'ai des souvenirs excellents. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé par rapport à mon talent, entre guillemets. Parce que je n'étais pas aussi doué que d'autres pilotes. Mais sauf que j'ai travaillé énormément, quoi. Après, grosse rivalité Ouais. avec Tim. Ouais. Bah, Tim avait 10 ans de moins que moi. Hein. Oui, mais tu Voilà. t'es pas démonté. Tim Non. est arrivé 10 ans de moins que toi, mais un peu plus agressif, un peu plus Oui, en il était dedans. doué, il était doué, Ouais. Tim était doué. Et en fait, lui, c'est un doué, un peu branleur, entre guillemets. Mais à un moment, tu vois, il est arrivé en 2000, 2004, il fait deuxième derrière Jean-Claude Moussé. Tu vois, il croyait qu'il allait gagner sur son talent, entre guillemets. Et en fait, en 2005, je l'ai remis à l'amende. 2006, il a commencé à travailler un peu plus, il gagne. 2007, je regagne. 2008, 2009, bon, il gagne. Après, bon, il s'est tué malheureusement. Mais c'est un pilote qui avait compris et il s'inspirait beaucoup de moi. C'est-à-dire qu'il me voyait s'entraîner, machin et tout. Et son père, j'ai Oui. discuté plein de fois avec lui. Il m'a dit, voilà, tu as été pas son modèle, mais son objectif. Il disait, voilà, tous les jours, il venait à l'entraînement. Il faisait 1 heure ou 2 de moto, pas plus, mais il venait tous les jours. Voilà, ça l'a motivé à s'entraîner. Et voilà, ça a été un super pilote. Et je pense que s'il aurait été encore là, il aurait gagné pas mal de touquets, voire peut-être égalé, voire battre mon record. C'était vraiment un pilote doué. Et il s'est mis à bosser quand il a vu que le talent ne suffisait pas pour gagner le touquet, quoi. Non, carrément. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu es très proche de la famille Vial. Ouais. Ce que les gens n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre, c'est que Fred a fait des choix Pour Tom. différents Ouais. des autres. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était là-haut. Il était chez toi, il roulait avec la 80. Ouais. Moi, je préparais mon touquet. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait, parce que vous, les pilotes et tout ça, parce que moi, quand je roulais, il n'existait pas ce championnat sable. Et comme tu as Non, dit, en 80, tu aurais rêvé. Et grâce à ça, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on sort des pilotes. ah oui, bien C'est-à-dire, le sûr. petit Rossi, aujourd'hui, il en est là, grâce au championnat qu'il a fait en 80. Ah oui, Et il a Tom, gagné c'est le pareil. touquet, machin. Tom, Tom, je ça pense c'est qu'il a pareil, pu ouais. griller des étapes parce que Fred l'a fait passer très vite en deux et demi, grâce au sable. Ah oui, bien sûr, il a roulé en 80, deux touquets en 80. Après, il est venu en junior en 2017. Je l'avais pris un petit peu sous mon aile, on avait fait un petit team, machin, je le faisais rouler dans le sable. C'était pas l'objectif pour lui, il voulait faire l'Europe, les Grands Prix et tout. Et à un moment, il avait gagné devant des pilotes de sable, c'est un sudiste quand même, hein. Il faut le Faut remettre remettre ça, c'est un ça. peu comme toi quand t'es venu au Touquet, hein. T'as failli gagner. Voilà, il fallait remettre ça dans son contexte. Bon, Fred, après, je connais depuis 95 ou 96, hein, c'est Mais mon meilleur c'était. pote, Ouais, hein, mais il était de la chez toi moto. avec Ah oui, Yamaha et. il était pilote officiel quand j'étais pilote officiel. L'hiver, Il les venait. pilotes officiels, même de Grand Prix, à part Villemain, qui est jamais venu au Touquet, mais tous les pilotes, que ce soit Bollé, C'était De le Maria, pèlerinage. voilà, c'était le pilote officiel devait venir au Touquet.
Et Fred est venu des hivers pendant... Au début, c'était un mois, après ça a été 2 mois, après c'était un peu plus, tu vois, et il se prenait au jeu. Hein. Il a quand même fait 3e au Touquet en 97, ouais, 97. Et voilà, et Fred a compris aussi que rouler dans le sable, c'était important pour les Grands Prix, et Tom aussi, et il aimait ça, et voilà. Hein. Mais Fred, c'est vrai qu'a fait des choix de carrière pour Tom qui sont différents, mais Tom est un doué, un travailleur, presque plus que doué, je pense que c'est un gamin qui pensait que ça, c'est-à-dire qu'il avait que ça dans la tête, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et j'ai toujours dit à Fred, moi, il sera un jour champion du monde ou champion de quelque chose, parce qu'il était déjà, quand il y avait le mini-vert, il roulait au mini-vert en cadet, avec des yams face au caté, je peux te dire que c'était une sinécure. Hein. Voilà, après il a eu des catés, il a été 2e ou 3e du cadet, après il n'a pas fait le junior, il a fait tout de suite l'élite, et voilà, et il a fait des choix différents, mais je pense bon pour sa carrière. Après, pour la petite histoire, c'est qu'il faisait l'Europe, quand je l'ai dit en 2017. Après 2018, il avait fait des choix techniques, Fred, qui n'étaient pas super. Il s'est aperçu de beaucoup de choses. Et l'année d'après, quand il a gagné ses premières manches à l'Europe, sur la terre, il roulait tout d'origine, hein, qu'avec des suspensions. Et voilà. Et après, Tom, je lui dis, ouais, tu as gagné à l'Europe sur la terre. Mais maintenant, si tu veux vraiment être bien, c'est gagner ou être vraiment très bon dans le sable. Parce que les teams, entre guillemets, d'usine... Ouais, mais c'est obligatoire. Ils veulent que les pilotes savent rouler partout. Et je lui dis, il faudrait que tu fais une performance à Lommel ou à Assen, c'était cette année-là. Et en fait, Tom est venu 15 jours avant Lommel, et il avait roulé 2 fois, il fait 10 et 11 à Lommel. Je dis, ouais, c'est bien. Mais je dis, non, c'est pas la performance pour prétendre avoir un guidon devant. Tu crois ? Je dis, Fred. Je dis, il faut qu'il vienne un mois avant Assen. C'est le même sable que Loun, blanc et tout. Je dis vraiment, il faut venir. Et Fred a fait l'effort de venir, parce que sortir de Avignon, c'était quelque chose. Et en fait, il a laissé Tom, même des week-ends où on n'était pas là avec mon fils, ils ont été s'entraîner à Loun. Fred était reparti à Avignon et tout. C'était la première fois que Tom n'allait pas à l'entraînement avec son père. Et il était venu avec Léo tout le week-end, il avait fait des manches et tout. Et en fait, à Assen, il fait 2 derrière Jet Lawrence. Et le deuxième manche, il était 2, il tombe. Mais il fait 2 et 7. Et c'est ce soir-là que KTM, coup de téléphone, pouvait venir nous voir sous le vent KTM Red Bull. Et voilà, et l'histoire a été... À cette époque-là, j'étais déjà... J'étais encore KTM. Ouais. Je vais en Autriche, donc après Assen, quelques temps après... Parce qu'en fait, ils sont venus vous voir à la scène et après, ils ont fait un essai. Ils ont essayé 3 pilotes différents. Ouais, c'est ça. Il y avait Potimoro, l'Australien et je crois, et Tom. Ouais. Et en fait, Joël, que je vois à l'atelier en Autriche, on discute un peu. J'ai alors, il me dit, ah, on cherche un pilote l'année prochaine. Putain, qu'est-ce que t'en penses? Et tu vois, en fait, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, tu sais, un peu compliqué parce que j'étais vraiment encore dans le rallye. Je ne regardais pas tout ça. Et c'est vrai que je dis, je ne serais pas... te répondre concrètement parce que il m'a surpris. Fred l'a fait passer très vite en 2,5. J'ai un peu des doutes, je sais pas trop tout ça. Il me dit, l'essai qu'on a fait était concluant, le gosse est très réceptif, et il me dit, est-ce que tu crois que Fred me déléguerait un petit peu? Mais oui. Et en fait, moi je lui ai dit à Fred, j'ai dit laisse le faire. Complètement surpris. Tu sais, c'est difficile quand t'es père de famille, que t'as fait ça, et que dire, voilà, je te mets tout dans les mains. Fait au mieux. Ouais. Mais Fred, le problème, c'est qu'il le couvait. C'est-à-dire que combien de fois, à l'entraînement, il roulait, Tom. Et ça, combien de fois je lui ai dit. Il roulait, il faisait 20-25 minutes dans le sable, et il arrêtait. Mais je dis, Fred, arrête-le pas, il a envie de rouler, laisse-le rouler. Non, il va être fatigué. Je dis, putain, le jour où il va être en Grand Prix, ça va être des manches de 45 à Lommel, les machins et tout. Et quand il est passé KTM, Red Bull, tu demanderas si je suis un menteur, il m'a dit, mais t'avais raison. T'avais raison. Mais ça a été bon, fait, le timing était bon. Oui, mais tu vois, bon, Fred, tu vois, au lieu de... Après,
c'est différent, mais tu vois, de lui dire, vas-y, fais que tes 45 minutes, vas-y, déjà à cet âge-là, tu vois, il lui faisait faire 20 minutes. Et Tom, il disait, mais pourquoi tu m'arrêtes? Combien de fois il disait, mais pourquoi, papa, tu m'arrêtes et tout? Ouais, mais non, c'est bon, tu vois. Ouais, ouais. Mais alors que Tom était demandeur. Ouais, et en fait, le jour où il est passé chez KT avec Joël, je lui ai dit, mais laisse-le faire, Joël. Et Joël, bah, c'était, il mangeait 45 à l'Omel. Au début, il en a chié, je peux te dire qu'il en a chié, parce que bah, à l'Omel, l'hiver, dans la pluie, le froid et tout, pour un sudiste, voilà, il s'est demandé combien de fois il était. Qu'est-ce qu'il foutait là? Fred, ouais. Pas Tom, parce que je peux te dire que Tom, jamais il rechignait, mais c'était Fred, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Je dis, ouais, mais c'est comme ça. Et en fait, bah voilà, la carrière est lancée. 2 titres de champion du monde. Il est parti aux US. Voilà. Hein. C'est cool. une belle carrière. Et aujourd'hui, sincèrement, dis-moi ce que tu penses. Il y a une génération. Il manque quelqu'un. Je veux dire, là, il y a Milko, il arrive, il commence à être âgé. Il y a Kellett. Et derrière, on a un trou. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi. Bah, tu vois, j'essaye de faire quelque chose avec les gamins Mio, les frangins Mio. Ouais. Hein. J'ai vu en ces deux gamins un potentiel, parce qu'ils ont quand même que 19 et 22 ans. Hein. Ouais, ouais. Florian est 19 ans, on le voit depuis des années, on croit qu'il est âgé, mais il a que 19 ans. Et c'est un doué, par contre. Lui, c'est un doué. Son frère, moins doué, mais presque plus travailleur que son frère. Mais c'est deux gamins qui ont du potentiel. Voilà, maintenant, il y a Genot, il y a Kellett, il y a Milko. Et c'est deux gamins que j'essaye de me rapprocher des trois, entre guillemets, fantastiques des courses de sable. Et voilà, on a une année avec la YAM qui est pas trop mal. Flo a fait un podium à Magesque, Matt a fait une 5e place à Loun. On a quelques problèmes techniques, ces nouvelles motos, on essuie un peu les plâtres de cette nouvelle moto, mais on avance dans le bon sens. Et je me dis que voilà, j'essaye de trouver une nouvelle génération pour essayer de trouver des nouveaux Français qui vont essayer de gagner le Touquet, parce que bon, là, c'est Kellett qui gagne, c'est Genot, c'est des pilotes étrangers. Hein, après Milko, c'est sûr qu'il y a un gros trou. Quoi, et c'est vrai que, parce que voilà. Milko, malgré tout, on arrive en fin de carrière. Après, je pense, il est encore en forme, il a encore de belles années devant lui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un trou, tu vois, la génération. Je suis un peu resté sur ma fin de Chapelière, de Hoquier, de. Ils se sont vus peut-être un peu trop beaux avant d'arriver. En fait, non, c'est pas qu'ils. C'est qu'ils se cantonnent au sable. Et c'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème. C'est que Chapelière a fait du rallye, a fait machin et tout. Et en fait, bah, il faut faire du cross. Il faut faire du cross, il faut avoir du rythme quand même. Quoi qu'on en dise, il faut faire de l'élite, il faut faire du... Tu vois, et le problème de Chapelière, de Hoquier, de tous les pilotes qui font que du sable, c'est un manque de rythme en fait, et de vitesse. Et après, bah, les gamins Mio, pourquoi je les fais rouler un peu à l'élite en 2,5 pour retrouver un peu d'agressivité? Ils font... Voilà, on ne peut pas faire 6 mois de sable, faire 6 mois de vacances et revenir dans 6 mois dans le sable. Non, c'est pas possible. C'est un travail de toute l'année. Alors, je ne dis pas qu'il faut se mettre la saison, entre guillemets, hors sable, tu vois, rien faire, mais il faut s'entraîner, garder le rythme quand même des courses. Alors, je ne dis pas d'aller faire les Grands Prix, mais tu vas faire des cross inter, des ligues, tu vas faire de l'élite, garder du rythme, faire des courses, des départs, du rythme de course, et s'entraîner, garder, entre guillemets, un rythme d'entraînement. Pour arriver au mois de juillet-août, où là, tu te mets 6 mois en mode guerrier pour le Touquet, quoi. Et c'est ce que je faisais, et je pense que les Chapelières et Hoquier et tout, c'est ce qui leur manque, quoi. C'est ce qui leur manque quand tu vois Milko, il s'est pas encore chié à l'élite, quoi. Ouais. Il est encore à l'élite, il faisait les Grands Prix il y a encore quelques années, il se faisait chialer en Grand Prix, il perdait de l'argent, mais c'était pour... Bon, au début, il aimait les Grands Prix, il aimait pas le sable, mais il s'est aperçu que... Bah, les Grands Prix, il a porté pour le sable. Voilà, c'est un et complément. Le sable le faisait vivre. Voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est moi, je me faisais chier aussi à l'élite sur quelques Grands Prix pour garder le rythme, pour pas être, entre guillemets, largué pour arriver dans les courses de sable avec du rythme et de l'entraînement déjà pour toute l'année, quoi. On repartait pas de zéro, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup pour ton analyse et ton discours. Et non, c'est vraiment cool de parler avec toi. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Antoine. À bientôt.